Message de réflexion et d'appel à tous à propos de toute cette pandémie de peur. Pourquoi au juste? Un vaccin obligé peut-être? Voici ce que Rudolf Steiner, philosophe, a écrit il y a plus de 100 ans. Dans le futur, on éliminera l'âme par des médicaments. Sous prétexte d'un point de vue sain, se trouvera un vaccin par lequel l'organisme humain sera traité dès que possible, éventuellement directement à la naissance, afin que l'être humain ne puisse développer la pensée de l'existence de l'âme, de l'esprit. Au médecin matérialiste sera confiée la tâche d'éliminer l'âme de l'humanité. Comme aujourd'hui, on vaccine les gens contre cette maladie ou telle maladie, ainsi à l'avenir, on vaccinera les enfants avec une substance qui pourra être produite précisément de telle sorte que les gens, par cette vaccination, seront coupés de leur dimension, de leur nature spirituelle. Ils seraient extrêmement intelligents, mais ils ne développeraient pas vraiment sa conscience. Et c'est le véritable objectif de certains cercles matérialistes. Avec un tel vaccin, vous pouvez facilement faire en sorte que le corps éthérique se détache dans le corps physique. Une fois le corps éthérique détaché, la relation entre l'univers et le corps éthérique devient vraiment difficile et instable. Et l'homme deviendra un automate, car le corps physique de l'homme doit être poli sur cette terre par une volonté spirituelle. Donc, l'homme devient matérialiste de constitution. Il ne peut plus s'élever en conscience ni dans sa dimension spirituelle. Alors, cessons d'avoir peur et de penser que nos gouvernements sont bien intentionnés envers nous. Nous avons le pouvoir de changer cela. Cessons d'être dupes, agissons, il en va de notre avenir, de l'avenir de tous, de toute l'humanité. Gardons notre flamme allumée. Gardons notre âme et notre esprit allumés, car c'est notre droit de naissance.